s'applaudir. Voilà, c'est lié dans ce cas de solidarité. Je vais vous faire un quatrième spectacle. Voilà, c'est au place numéro 1 pour ce programme. Désolé les gars, je vous dis que j'ai oublié, c'est pas remis à plus après les photos, mais on va dans un film, on le fait maintenant, mais on y va. Alors, je vais aller voir. Bon, la reposée, on sera, pour vous, hein. Alors, c'est pas un peu passé. En tout cas, moi, si vous voulez, je ne sais pas, il y a même plus l'air que nous. On ne parle que le patois, on ne va pas avoir de mauvais. Donnez-moi, certitude, je... Oui, on n'y a pas de poussière, ni vous. Je ne sais pas. Tu es régalé. Est-ce que tu es régalé? Yes, yes. Voilà, on peut l'applaudir, l'espagnol, il n'a pas fait le passe en premier. On continue donc pour cette deuxième position avec M. Bralet, voilà. Bon, on y va tout un petit peu donc. Ce championnat s'est déroulé dans pas trop mal. Super championnat, 30 pilotes presque au départ. Franchement, merci à l'organisateur. Privilégius qui investit beaucoup, un super podium, une super vache. Hier soir, on a passé des rôles des partenaires sur tout le circuit. Un grand merci au motoclub, la piste était franchement, tous les pilotes quoi, ils sont venus me voir, ils m'ont dit la piste elle est vraiment bijou, on s'est régalé. Donc du coup vraiment un gros coup de chapeau au motoclub, passer la herse après les essais et tout, c'est vraiment énorme. Donc vraiment gros merci à eux, gros merci aux partenaires. Ça c'est tout, c'est l'équipe, du coup que le président c'est un pilote également, il y a Roulière, et lui bien sûr, il est sûr et certain qu'il tient impérativement sur que cette piste soit nickel. Bon, explique-moi un petit peu ce trophée Grand Sud là. On en est donc à la troisième épreuve, combien il restera d'épreuves encore un? Encore deux épreuves qui partent dans les lycées à l'Irak. En Irak sera avant, je pense. Juste avant les 2 octobre. Ensuite, Castelnau, ça sera la finale. Je crois que Castelnau, c'est le 2 octobre. Oui, tout à fait, c'est d'abord Castelnau après l'Irak. Donc la finale sera donc à l'Irak. La finale à l'Irak. La nouveauté, c'est que cette année encore, il y aura une interdite nationale. Donc, cette épreuve a été le premier du Grand Sud. Ils vont représenter donc le Grand Sud lors d'une Coupe nationale en Rhône-Alpes, donc voilà, encore une initiative. C'est une dynamique. J'ai envie de dire une belle équipe de ce trophée Grand Sud qui le gère bien, hein, avec toute cette partie que vous amenez, toute cette partie de professionnels. C'est bien les gars, bravo les amis, je ne connais plus pour cette fois de votre droit tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a pensé que parce qu'il y avait 4 roues, c'était peinard. Ça, c'est sûr, hein. 4 roues, c'est peinard, parce que le morceau, c'est le il faut s'y tenir. Et puis, je vous rassure de suite, hein. Ne pensez pas ça, c'est encore plus physique que la moto, hein. Bon, ça va, première course, hein. Oui. Pas trop le stress, quand même, hein. Ouais. Ça va aller pour la seconde, hein. Ouais. Oui, puis le prochain coup, ça y est, c'est cassé, on n'en parle plus. Hein. Ah, quand même, il peut la on arrête en face encore. Merci d'être là. Tout à l'heure, il n'a pas pu venir parce qu'il était en train de faire la mécanique. Et là, c'est pour la deuxième marche du podium. Tu lui montes le poids dessus. Non, il n'y a pas assez de place. Hein. Faut que tu viennes comme toi. Il vient de te retrouver là. Et maintenant, pour la troisième marche du podium. Vas-y là, content. Quelle journée. C'est parfait, ça roule comme sur les roulettes avec cette équipe. Ça fait du bien un peu. Bien, alors on va remettre un trophée, pardon, on va laisser un petit peu pour la photo. Et marchand de sandwich, recule-toi un petit peu s'il te plaît. Voilà, on va laisser vous faire les belles photos. Parce qu'ils vont croire que c'était une course de jour de fruit, donc on va aller sur la photo. Alors, tout le monde m'a dit, on va se remettre les petits trucs, bien sûr, les petites récompenses à ces trois garçons. Je vais commencer par. Loïc Martin, donc, allez Loïc, une deuxième manche qui a été un peu meilleure que la première, qu'est-ce qui s'est passé à la première? Voilà, moi j'ai assisté l'essence, voilà, ça. Elle est passée le plein d'essence ou quoi? Si, si, mais il ne voulait pas arriver le moteur. Voilà, le moteur ne voulait pas, il n'était pas bon, je parle, il a mal digéré mal, donc ça ne marchait pas comme il faut. Alors dis-moi, circuit de Loïc. Ah, très bien, moi j'ai adoré, c'est vraiment excellent. Moi je suis juste par plaisir, c'est le principal. Voilà, allez, pour la deuxième position, Mélastre donc. Deuxième position, mesdames, alors ce fois-ci, à part que tu allais le chercher. Non, très belle course avec Grégory, Milan Montpizier et moi. Mais...
T'as cassé l'amortisseur derrière. Je sais pas, mais... Mais ça c'est parce que tu sens tout droit, mon pauvre. Je ne me fais pas bien, mais... Oh là, il veut rien, il n'est pas solide. Il n'est pas solide, il ne vaut rien, l'amortisseur. Ça va très simple, il faut le sa deuxième position. Grégoire, qui n'a pas le coup. Tout à l'heure, on a pas pu le voir sur le podium parce qu'il était remis dans la mécanique. On l'a vu, il est rentré un peu déçu, il poussait, il venait tout se trouver. Qu'est-ce qui est arrivé tout à l'heure? J'ai cassé la boîte à vitesse au 4e ou 5e tour de la première manche. Donc t'es resté bloqué sur une vitesse pendant les parties de la manche? Bloqué sur une vitesse, un embrayage, et voilà. Et... Les vitesses bloquées, l'embrayage qui a fumé. Voilà. C'est bon, on va passer tout revient, le moteur revient. Le moteur marchait, sauf que au deux derniers tours, il s'est mis à siffler bizarrement, à claquer. Du coup, j'étais un début de sauter. Guillaume m'a passé parce que ça sert à rien que je le bouge, il allait plus vite. Du coup, mécanique à fond, et je remercie beaucoup Kérian et la famille Rigol qui m'a dépanné toute la journée. J'ai pu débouiller son pote pour prendre le moteur. Moteur que je connaissais, c'est mon ancien code d'entraînement. Mais c'est vraiment sympa à lui. Et du coup, ben voilà, et j'ai fait all shot, manche devant, un peu pas trop reposé, mais j'avais envie de me venger, de me rattraper. Et ça me soulage de toutes les merdes qui m'arrivent à ce moment. Voilà, mais c'est ça, c'est la mécanique, c'est le point du temps, on peut l'applaudir. Grégoire, on a entendu Guido tout à l'heure, Guido, le circuit de nous. Ben, moi, j'avais le souvenir en 2007 et 2008, la première course que j'avais faite en 2007 ici, que d'ailleurs, on en a parlé avec les anciens du Grand Sud, tout le monde avait halluciné, je n'avais qu'un quad tout d'origine, je sautais tout, j'ai gagné les deux manches. Et le terrain, il est top, et les améliorations qui ont été faites sont vraiment super, arrosage parfait, enfin, franchement, un motoclub qui en veut, qui a compris ce que c'est le motocross, et franchement, félicitations à eux. Moi j'en ai pleuré, ma dire, parce que c'est les pilotes qui disent ça, je crois que c'est magnifique. Allez, les applaudis bien fort, ces garçons, qui veulent faire des beaux spectacles dans vos gens, vous savez que tout à l'heure, nous avons le podium, bien sûr, de la journée. Toi, ne te barre pas en Espagne, avant de fermer la frontière, tu attends pour le podium, mais merci. Allez, à tout à l'heure. Allez, merci les gars, et encore...